Eh bien, bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Mais comment allez-vous ? Merveilleusement bien. Mais tu as vu, elle brille comme toi, effectivement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes étincelante. Oh, mais merci. Votre prénom ? Kathleen. Kathleen. C'est pas commun. Non. Voilà. Ah, un petit peu comme cette brillance que vous nous apportez, n'est-ce pas ? Oui, bah oui. J'aime beaucoup les paillettes, vous savez. Ça, vous m'oublierez pas. Oui. Kathleen, vous venez d'où ? J'habite un petit village à une quarantaine de kilomètres de Strasbourg. Voilà, donc dans le Grand Est. Et vous y êtes bien installée ? Impeccablement bien. Bien. Écoutez, vous nous avez apporté un buste. Oui. Très joli. En terre cuite, exactement, mais assez impressionnant, je dois dire. Vous allez nous raconter un petit peu son histoire. Alors, son histoire en elle-même, je ne la connaissais pas avant que notre expert m'en raconte. C'est ce que je me disais. Voilà, des bien bonnes. Maintenant, c'est un buste qui était chez mes parents. Voilà, aujourd'hui, ils veulent s'en séparer, donc ils m'ont fait ce cadeau. Elle n'était pas posée sur une colonne, rien ? Elle était sur un meuble en marbre. Ah. Et elle nous servait, très honnêtement, de support à chapeau. Une petite fleur pour voilà. Toi, mon cher Effie. Pas bête. Elle représente qui ? Alors, d'après l'expert, c'était une actrice, une chanteuse, qu'il ne trouvait pas très jolie, en tout cas à l'époque. Elle est super jolie. Voilà, moi aussi, je la trouve canon. Hein, ah, grave. Voilà. Il est signé ? Alors, il est signé, attends. Mais c'est une usurpation de signature. Aïe. Ah. Comment ça ? Ça a l'air un peu trouble, tout ça. Est-ce que vous permettez qu'on fasse intervenir l'expert ou l'experte pour cette... Ah bah l'expert, le voilà, c'est Yves. Le voilà. Le voilà. Bonjour. Alors Yves, madame nous donnait des explications qui étaient un peu troubles sur ce magnifique buste. Est-ce que tu aurais la gentillesse de nous expliquer en long, en large et en travers? Avec plaisir, Julien. Donc ça représente une célèbre actrice et chanteuse à la fin du 18e qui s'appelle Marie-Madeleine Guimard, qui a été peinte par Fragonard, et son portrait donc se trouve donc au Louvre. Et oui. Cette femme, elle a le buste original qui est en marbre se trouve à l'Opéra Garnier aujourd'hui. En fait, alors ce qui est, vous avez vu qu'il y avait une signature. Oui, ici, Pigalle. Bon, ben, ce n'est pas de Pigalle. Ben, c'est ce que vient de nous dire, mademoiselle. Oui, parce que le sculpteur, il est référencé, ce buste, le sculpteur qui a fait ça, c'est Gaetano Merci, qui est un sculpteur italien, qui est arrivé en France, qui a beaucoup sculpté des actrices, qui étaient un peu dans ce milieu là, littéraire et autres. Donc, c'est une terre cuite qui a été modelée sur un modèle original, mais à la fin du 19e, vers quand même assez tôt, à 1850-60, on sait qu'il a été copié, hein, donc d'après l'original. Parce que de loin, ça le fait. Hein. Donc, elle joue le jeu incroyable. Complètement. Et c'est vrai que de loin... Tu tombes par terre. On a envie. Oui. Pigalle, bah, c'est pas Pigalle. Pourquoi ils l'ont fait? Peut-être pour tromper. Hein, au 19e, ils l'ont fait. Hein, c'est pas, oui. Là, ils ont mis Pigalle autant tapé dans le plus grand. Sauf que le modèle est connu, on sait qui l'a fait et que la sculpture originale, on sait où elle est. Maintenant, c'est quand même ravissant. C'est ravissant. Et la terre cuite va avec le piétement en douche, là ? Non, moi, c'est ce qu'on vient de te dire. Rajouté, moi, je pense ça. Que voilà, ça a été rapporté, malheureusement mal collé. Mal bon, collé, après, mais rapporté. Ça lui donne il est un peu maigrelet. Oui, tout à fait. Il aurait fallu la base plus large. Yves, merci d'avoir aidé Kathleen. Je vous en prie. Merci beaucoup. De nous avoir... Et allez-y, parce que c'est une très belle sculpture. Mais je suis d'accord merci avec toi. Hein merci, voilà. Yves. Pas nous décevoir. Hein. Kathleen et moi. Merci. Au revoir. Au revoir, Yves. Et bien voilà, maintenant, on sait tout. Et on va donc démarrer les enchères à 200 euros. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000. 1100. 1200. 1300. 1350. 1400. 1450. 100 mois. Elle est super jolie quand même. C'est très beau. Qu'est-ce que vous en pensez, 1450 avec moi ? Est-ce que je peux savoir l'expertise ? 1200 euros.